Pour l'instant, les Flamands sont encore à l'extérieur. On attend avec impatience l'autorisation de vacciner et la fourniture de vaccins, en espérant que le timing permettra de ne pas confiner les Flamands. S'il le faut, on pourra toujours le faire, mais un temps le plus bref possible. Dans cet épisode aussi, les canards semblent être les principaux vecteurs de la maladie. Ils sont plus résistants que par exemple les cygnes, c'est pour ça qu'on a trouvé dans d'autres pays un certain nombre de cygnes morts. En revanche, les canards sont plus résistants et seraient des véhicules du virus. Donc la priorité, c'est de s'assurer que les canards ne puissent pas souiller l'alimentation des autres animaux, puisque ce sont essentiellement les fientes qui sont un des vecteurs du virus. Donc le point important, c'est que l'alimentation soit indemne de toute souillure par les canards.